Hey, salut tout le monde, c'est Kamado Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur H1Z1, King of the Kill. Et on va tout de suite un peu jouer. Je n'ai jamais trop joué à ce jeu. J'ai dû jouer 9 heures, je pense. Et honnêtement, il est plutôt pas mal. Donc, on se retrouve tout de suite en game. Voilà, les amis, donc notre match commence dans 10 secondes, 5 secondes. Voilà. Donc, si vous connaissez pas le principe de H1Z1, c'est en gros un Hunger Games, film, vous devez connaître, hein. Si vous connaissez pas, là je comprends pas bien, mais il y a beaucoup de références à Hunger Games, notamment dans Minecraft où on peut aussi faire des Hunger Games, mais là c'est vraiment un grand Hunger Games assez conséquent. On y retrouve une part de Battleground, d'un nouveau jeu qui est sorti ou qui va sortir, je sais plus. Je sais plus exactement son nom, qui est un peu plus futuriste. Donc là, le but, c'est très simple. On est sur une map, vous voyez, et on doit être le dernier survivant. Tout simplement. Vous direz, oui, c'est basique, nanani, nanana. Je vous dirais, vous pensez que c'est basique? Ça l'est pas. Au contraire, il y a une stratégie derrière. Voilà. Là, clairement, je peux me faire buter dans les 5 secondes qui suivent. Là-bas, il y a un gars d'ailleurs. J'ai vu son truc. Et je vous le dis, je suis pas excellent. Je vais me faire sûrement buter les premières secondes, enfin les premières minutes plutôt. Donc là, direct, on a une arme. Alors, il faut la prendre. On la recharge. Tranquillou. Hop, un petit casque, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'ai un petit skin sur le casque. C'était assez marrant. Un petit skinou. Alors, tac. Et un deuxième flingue, un sac à dos, un t-shirt, il faut pas que je reste là moi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, je vous l'avouerai. Déchiré, déchiré. On va se faire des petits bandages, ce qui est vraiment assez important. Et là, clairement, on va foncer. J'ai un peu baissé ma sensibilité de souris, voilà. On va foncer pour. Putain, j'ai cru qu'il y avait un gars là-bas. Ben, tout simplement pour chercher du bon matos, parce que pour l'instant on a de la grosse merde. Clairement, là c'est la merde. Ah, là on a une petite trousse de soins, c'est bien. J'aime plus les touches pour la trousse de soins et tout ça. Putain, on a vraiment de la merde. Bon, allez, fouillons une autre maison. Vache, j'ai jamais eu un stuff aussi pourri dans les premières maisons que je trouvais comme ça. Je sais pas, ça doit faire parce que ça fait longtemps peut-être. Hop. Go. Ah, ça c'est une bonne maison. Je sais pas, j'ai rien encore trouvé, mais vu la forme de la maison déjà, il y a déjà quelqu'un qui doit être passé parce que pour qu'il y ait rien comme ça. Ok, si on trouve. Ouais, on a de la merde quoi. Peut-être ils ont. Oh, voilà. Enfin. Donc, ça c'est une espèce de. Comment ça s'appelle? Un fusil. Un fusil, pas mitrailleur, fusil semi-automatique, on va dire. Donc c'est plutôt pas mal, on va le recharger d'ailleurs. Hop, alors. Regardez s'il n'y a pas quelqu'un. Ok, est-ce que la map elle s'est déjà dévoilée? Juste pour savoir. Ah oui, d'accord, je suis comme ça. Crois qu'il faut aller par là. J'irai par là une fois que je retrouvais mon stuff, parce que si j'ai même pas un fusil à pompe ou une AK, qu'est-ce que je vais faire moi? Ok, là il y a déjà un gars qui est passé, ça se voit. Oh, par contre, ça, il a oublié de le prendre. Peut-être qu'il a oublié d'autres choses. Je pense pas, mais non. On sait jamais. Ok, oui, donc clairement là, il a tout pris. Bon, bah là, les amis, on est dans la merde. Hein. Ça va être chiant pour nous. Ouais, bon, on pouvait rien faire, mais les gars, il avait une. Il avait une petite mitraille. Je vous propose qu'on se retrouve pour une prochaine game. Je vous dis à tout de suite, les amis. Alors, les amis, voilà, on est prêt pour une deuxième game. Donc, celle-là, on va essayer au moins d'un peu mieux se débrouiller parce que là, on avait un bon spawn, mais clairement, je sais pas ce qu'on a foutu. Hein. Voilà, je disais qu'on avait un bon spawn avant. Ouh là 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 là. Ok. Il y a des gens qui vont arriver avec moi, je pense, parce que là où je spawn, il y a beaucoup de personnes. Et il y a une voiture, surtout, une voiture qui est hyper importante. Donc on va pas foncer comme un con sur la voiture, parce que moi, je vais pas me faire flinguer dès le début. Je vais plutôt prendre mon temps. C'est peut-être une voiture, ça.
une voiture. Ouf, heureusement. Enfin, heureusement. Je sais pas. Je sais pas là, les amis, je suis perdu. Tac. Hop. Donc juste en... Voilà, ça c'est bien. Vas-y. Allez, recharge, recharge. Recharge, cool. Ça c'est bien. Ça, on prend toujours un deuxième au cas où on se fait snipe. On s'en fout de la sacoche. Ok. Ok. Ça c'est bon. Maintenant, on va tryhard. Hop, hop, comme ça, voilà. Mon beau t-shirt, je sais pas quoi ça sert, mais on s'en fout. Alors, première possibilité, on va aller par là, je pense. Il y a pas des. T'as qui les des armes comme ça? Ça, c'est bien les Américains. Oh là. Putain. Quelle bande d'irresponsables. Alors, tac. Oh, c'est bien. Gilet pare-balles. Putain. La cagnotte, les gars. La cagnotte. Clairement, là, on a un bon petit truc de départ. Bonne petite AK. AK-47, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, là, les chaussures. Parfait. Tac, toi, tu dégages. Toi, on déchire. Toi, on déchire. Et toi, on fait tout. Ok. AK, c'est bon. Flingue, c'est bon. Chaussures, c'est bon. Ok. Hit. Hit. Hit, hit. Oh, j'ai tué! Les gars, j'ai tué un gars! Oh putain! Je pensais pas que ça partait aussi vite la vie. Oh, j'ai tué quelqu'un! Oh la vache! Oh mon dieu! Oh mon dieu, je ne comprends plus. Ah ouais, le gars, il venait de spawn, quoi. Putain, quelle sous-merde. Oh les gars, j'ai tué quelqu'un! Oh la vache! Oh, je suis content. Alors là, clairement, go! On va regarder dans le camp de gitan là. C'est le camp de Jackie. Tout le monde connaît les bails, Jackie le gitan. Alors. Ça, je crois que ça a été déjà fouillé. Y aurait-il un autre gitan dans la zone? Les grenades, je ne sais pas quoi ça sert. J'en ai jamais utilisé une. On va tester la grenade aujourd'hui, je pense. Je vais faire un... Allez, on teste la petite grenade. Oh, ça sert. Ah oui, d'accord. Ça peut être juste en fait. Ok, le gaz toxique. Ok, on n'est pas loin, on s'en bat les couilles. Tout ce qu'on veut, nous, c'est trouver. Bah, je sais pas, une maison ou un truc comme ça. Oh, là, il y a un petit potager. Tranquillement. Hop. Dans ce jeu, il faut surtout savoir se repérer en fait. C'est ça qui est très très chiant. Oh, yeah! Hop. Oh, hop. On a déjà les chaussures, on a encore les crocs dégueulasses. Je sais plus. Deux. Voilà, comme ça, on va mettre un, deux, on va la recharger. Vas-y, 2R. Ok. Oh, mais on est bien là, clairement. On a une munition d'AK. On a de loin, on a de près. Gagné. Lol. Non, j'essaie de faire une rime pourrie, mais bon. Alors. Go, go, go. Là, il y a un petit centre. Ça, c'est des toilettes. S'il y a des armes dans les toilettes, je rigole. Ok, je ne juge pas. Ils mettent une des meilleures armes dans le jeu dans les chiottes. Enfin, donc, généralement, je joue comme ça en fait. Je joue hop, un fusil à pompe qui est très utile d'ailleurs. Oh, c'est un bon sac. Ok, fusil à pompe rechargé, c'est bon. Si on n'a pas un deuxième fusil à pompe, alors les Américains, toujours, on les comprend pas. Hein. Les gars vont aux chiottes avec un fusil à pompe. On voit le level, on voit le level quand même. Hein. Ok, si dans une écurie il y a des flingues, alors là, bravo. Il y a un arc, ça paraît un peu plus probable, on va dire. Un petit flingue, bon, rien de très. Bon, écoutez, là, je comprends plus rien. Je suis outré par cette choquante révélation. Les Américains tuent des chevaux au fusil à pompe. Alors clairement, là. Je suis dégoûté. Dégoûté. Enfin. Ok, je me suis fait jarter de ma zone. Moi, je vais me faire niquer. Alors, le gaz progresse dans un peu de temps. Donc, je pense sans lieu. Oh oui. Bon, bah, les amis, on va carry la game, là, clairement.
Faut juste que je trouve par où aller. Et je vais essayer de me faire un petit casse-croûte. Alors, casse-croûte dans le jargon de H1Z1, c'est-à-dire tuer tout le monde. Ok, là-bas, j'ai cru voir une ombre. Un gars, là, non. Je sais pas, je... Les gars, là, je suis concentré parce que je ne joue jamais autant. Ok, non, c'est un arbre, un bout de bois. Qu'est-ce que je fais dans la game? Ok, je me fais jarter. Pas un avion. Ok, c'est par là. Il faut suivre l'avion. Je sais pas, c'est ce que j'en ai déduit. Ok, par là. Go! Bon, alors, très clairement, là, on n'est pas encore mort. Le seul truc qui pourrait nous stopper, c'est un gars qu'on croise, on s'arrête, donc on essaye de le tuer, qui nous flingue complètement. Ce qui est le plus probable, parce que là, je crois que je suis tombé sur un noob avant. Oui, un gars qui se fait tuer par moi, clairement, un noob. Hein. C'est aussi simple que ça. Est-ce que je peux défoncer ça? Ah oui, d'accord. Aucun respect pour les petites barrières, on s'en fout. Bientôt, il n'y aura plus personne ici. Alors, ok, on se rapproche. Bon, l'avion, je sais pas trop où c'est cassé. Hein. On s'est barré en Colombie. Bon, c'est chaud. Si je vois une autre voiture, je la suis, en fait. Telle est la technique. Je sais plus comment on tire en voiture, putain. J'ai vu ça à un moment. Je sais plus comment. Oh, ça va, on se rapproche. Attends, on est sur quelle route, là? C'est un département total, gna gna gna. Ok, donc on va aller par là. Je sais pas, j'ai envie de tracer dans les montagnes. On doit aller Pleasance Valley. Bon, ça doit être par là, Pleasance Valley. Hein. Je sais pas, je connais pas la map, moi. Je dis, j'ai joué une dizaine d'heures. Je connais pas bien la map. Je pense qu'on doit se rapprocher Pleasance Valley. Ça doit être par là. On va essayer de tenter la diagonale, comme ça. Et il faut qu'on trouve des gens. Donc, il reste combien de personnes? 49 personnes. D'accord. Il reste 49 personnes. Bah écoutez, on va essayer d'être dans le top 20. Allez, top 20. Alors, coucou, c'est Jackie. Ok, là on est à la casse. Ok, donc j'ai compris, on doit aller à Pleasance Valley, c'est cette ville-là. Moi je pense qu'on reste sur les hauteurs. Je sais qu'il y a un snipe, mais il est très rare, il me semble. J'ai déjà regardé des streams, il est rare. Ok, Pleasance Valley. Donc si on situe Pleasance Valley là-bas, donc en fait il faut qu'on remonte par là. Pour l'instant, on est bien. Donc, pour l'instant, on va rester là. Il nous reste de l'essence. Clairement. Donc là, là les amis, on va attendre que le gaz se répande. Et pas se pende. Est-ce qu'on verrait pas le gaz? Bon, bah, entre-temps, au moins, je peux regarder les raccourcis clavier pour savoir un véhicule comment... Siège, hein, siège. Hein, ok. Boost. Barre d'espace. Je cherche un peu. Sirène, ah t'as des sirènes, phare, klaxon, démarrer, arrêter engin, regarder à gauche, regarder à droite. Ok, y a pas pour tirer en voiture. Non, chat vocal de proximité, on va pas faire les connards non plus. Alors. Ouh, je suis là. Ok, ça arrive derrière. Toi-même, tu sais, t'as vu le gaz. Là-bas, y a une voiture, je crois. Il me semble. Ouais, je crois qu'il y a une voiture. Bon, nous. Attends, si je sors. Oh, j'aurais mon fusil à pompe, voilà. Parce que si je sors, j'aurais mon fusil à pompe. C'est ça que je voulais savoir. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, je suis là, on y reste 38. Bientôt le top 20. Là-bas, ça arrive. Moi, je pense qu'on campe, là. On va faire des petits drifts. En mode... Oh, il y a un saut. J'ai trop envie de le tenter. Allez, go tenter le saut. Oh, je sens la grosse connerie de C. Attends. On va se calibrer par rapport au saut. Je sens que c'est possible. Hein. Si j'y arrive... Attends, je sais pas. J'ai pas mon permis, jugez pas. Ok, ok. Ok, comme ça, voilà. Je sens que c'est possible. Oh là, oh. Ah oui, d'accord. Ah, ah. Ok, ok, ok. Et là, le saut. Putain, le gars est trop chaud en voiture. Prends que ça tourne mal, la voiture explose dans la charge dedans. T'sais. Allez. Bon, le gaz là.
C'est pas tout, mais moi, tu vois, j'ai une vie quand même. J'aimerais bien que ça se répande un peu plus vite. Que je puisse tuer les gars, tu vois. Pour l'instant, j'ai vu personne. Ok, les gars, ils sont au fusil à pompe. Ok, XOLO, il doit être chaud. Hein. Je vois même mecs qui sont hyper chauds. Ils sont butés. Voilà. Ouais, c'est terminé. Go, 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 pour Avengers. Moi, je suis bien au milieu. Je pense qu'il faudra remonter par là. Clairement. Pour l'instant, là. Hein. Ouais, que 5 secondes, je pense, et c'est bon. 10 secondes. Max. Max, max, max. Voilà. 3, 2, 1. C'est bon. Voilà. Bien joué dans la zone de sécurité. Parce que moi, je suis dedans. C'est où exactement? Bah, Plaisance Valley, on doit y aller. Ah, ça va être marrant, ça. Bon, les gars, souhaitez-moi bonne chance. Là, je vais essayer de faire du kill. Oh la vache. Bon. Je suis pas en tryhard sur ce jeu. Je suis en tryhard sur aucun jeu. Quand je tryhard, je me finis qu'au bout de 2 secondes. Donc, j'essaie de moins tryharder. Vous avez compris, là, je blablate parce que je stresse. Je sais que je vais me faire niquer. Ok. Plaisance Valley. Gaz par là. Ok, ici, je connais. Je crois que j'y suis. Oh, le gars, il m'a shooté. Un gars m'a tiré dessus. Attends. Oh! Un frein, non, un truc comme ça. Je comprends rien, moi. Ok, comme ça. Et là, il faut qu'on tourne dans la direction droite, là. Ok. Là, il y a un gars. Coucou. Je crois que c'est un piège. Oh, calme. Ouais, j'étais sûre. Et ouais, ma gueule. Moi je m'en bats les couilles. Ok les gars, j'ai une idée. On va se le faire ce connard. Il est là-bas par où? Il est dans ce bâtiment au-dessus là. Ok là. Je suis pas hyper fort. Ok là j'ai mon AK. Je sens que ça va être la plus grosse erreur de ma vie. Allez, go les gars. J'ai fait quoi là? Oh putain. Touché. What? Ah oui d'accord, c'était un guet-apens. Mon 23e. C'était le mal game. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez aimé cette petite game. On se trouve bientôt pour d'autres gameplays, d'autres petits trucs. Voilà, moi j'ai encore continué un peu à jouer. Donc voilà, voilou, je vous dis à plus les amis. Allez, ciao ciao les amis, allez, ciao, salut, à plus.